Bien, bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on va passer l'ouvre-tributeur. Donc on peut juste voir dans l'intro, c'est déjà pour détruire toutes les adventices et aussi de bien ramollir ça pour que ce soit face à un super lit de semences pour les semis qui vont arriver. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Bien, donc déjà pour commencer, donc comme je vous ai dit, donc on va passer le motoculteur. Donc l'objectif, c'est de tout simplement de détruire tout ce tapis là d'adventices. Hein. Vous voyez que le premier passage, ça permet de faire la levée des adventices pour ensuite détruire ça tout de suite. Hein. Donc on va déjà passer un coup de fraise pour enlever tout ça, déterrer toutes les adventices afin que tout ça puisse cramer au soleil, hein, prendre le sec. Et ensuite de bien ameublir la terre pour ensuite faire bien, vous pouvez voir que le travail se fait plutôt bien, hein. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, toutes les adventices là, elles sont super bien arrachées, hein. Donc je fais assez profond, voilà, que vraiment vous avez une terre très fine, comme vous voyez, vraiment très très fine. Après il y a quelques mottes, bon c'est pas dérangeant, ça va prendre le sec, hein, et puis après ils veulent des précipitations d'ici 3-4 jours, donc ça va, la précipitation va faire fondre les mottes, hein, avec la pluie, hein, donc voilà quoi, et que les adventices, tout ça soit sorti de terre comme vous pouvez juste le voir. Donc je fais aussi très profond pour bien aérer le sol et réchauffer tout ce sol pour que les futurs semis, parce que donc je vais chercher une terre très fine, hein, comme vous pouvez le voir, et aussi pour les prochains semis. Donc je vais semer tout ce qui est un peu légumes du soleil, hein, que ce soit poivrons, courgettes, etc. Donc ça a besoin de beaucoup de terre bien travaillée, c'est des toutes petites graines, hein. Et je vais aussi semer, bon, ça c'est un essai, j'espère que ça va fonctionner, hein, croisons les doigts. Je vais voir de semer les tomates en pleine terre, mais bon, ça vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ce sera aussi une première pour moi, hein, essayer de faire du semis de tomates en pleine terre. Bien. Bon, vous pouvez voir que voilà, le boulot n'est pas dégueulasse. Hein. Vous pouvez voir juste derrière moi. Voilà. Ça fait plutôt bien son job. Voilà. Bon, on continue. Ça, allez, c'est parti. We'll be right back.
Voilà, chantier terminé, on a dû plus que ça sèche un petit peu pour faire mourir tous ces adventices qui ont été retournés, hein, déterrés du sol. Donc, un bon coup de soleil là, ça va bien les faire griller. Voilà, ensuite on peut vraiment voir que vraiment la terre est super bien travaillée. Hein. Bon après ici là c'est un peu une zone humide hein, à cause du sol qui est juste derrière. Donc ça a un peu du mal à sécher. Mais voilà, dans l'ensemble, je vais voir que c'est vraiment assez correct. Hein. Il y a encore un peu de motte, hein, mais ça va, tout ça va sécher. Vous voyez, ça se casse déjà. Hein. J'ai à peine dans la main. Ça se casse déjà bien, quoi. Hein. Voilà, donc j'en termine pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Donc, cette année, je vais donc semer tout ce qui est un peu légumes, fruits. Hein, donc tout ce qui est melon, tomates, courgettes, poivrons. Ce que j'ai encore en tête, aubergines. Encore plein de trucs que j'oublie, à butternut, nu, tout ce qui est un peu dans la famille des courges. Donc je vais semer tout ça. Comme je vous ai dit, c'est une grande première pour moi donc de semer les tomates en pleine terre. On va essayer ça hein, en espérant que ça fonctionne. Bon, il n'y aura pas de raison, hein, on va essayer de faire ça. Généralement, on sème toujours dans un petit godet et après on les replante en pleine terre. Je vais essayer, comme j'ai dit, donc de semer les tomates. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao!